Bon. Ben me voilà à nouveau à Irati, au Cabé, au parking de Size, comme hier. Donc hier, ben, j'étais venu, j'avais fait un circuit autour de l'OKB, du pic. Et donc j'étais parti par la D18, pris après un chemin montant sur la droite qui m'a mené à Orgaraté. Et ensuite, je suis allé, j'étais presque au pied de Cabé, du pic. Après, je suis allé en direction des Cromlech, jusqu'au Cromlech. Et de là, on peut monter sur le pic, c'est plus facile par ce côté-là. Et moi, je suis descendu sur le col de Sursaille. C'était un peu folklore. Donc après du col de Sursaille, je suis allé en face, pris une sente aux flancs d'un sommet là, qui s'appelle le Sorroberi. Et donc je suis allé jusqu'au col de Burding Kurucheta. Voilà, là aussi c'était pas mal, c'était à flanc du versant là, avec de la pique, et puis après la descente sur le col était sympa aussi. Et de là après je suis redescendu en longeant, en fait j'aurais dû longer le ruisseau, mais j'ai fait une petite variante qui m'a fait pousser le vélo, mais j'aurais mieux fait de rester le long du ruisseau, qui m'a fait redescendre jusqu'ici, jusqu'au parking de Size. Et puis arrivé ici, ben, je suis reparti sur le col de Sursaille. J'ai pris une sente pédestre, là aussi je m'en suis vu un peu. C'était un peu folklore, parce que ça passait pas en vélo, donc il a fallu prendre une petite variante sur les versants, les pentes herbeuses, pour attraper le col. Et après, ben, j'ai traversé la route et j'ai pris en face un chemin qui me faisait redescendre sur le parking, là, ici, en lacet. Un chemin un peu ombragé et un peu boueux parce qu'il avait plu la veille. Donc ben, aujourd'hui, ben, retour au même endroit pour faire un autre circuit. Ouais. On va faire la montée au Cabé. Donc là, j'ai pris le Giant, le Trans. Enfin, le même qu'hier. Donc on va monter au Cabé, puis après on redescendra par la partie un peu plus difficile là, et on prendra le GR12 que j'avais vu hier, enfin que je connais, enfin que je vois où c'est quoi, le truc et le départ, et puis je vois un peu la difficulté que c'est, et donc ça me va me faire passer une crête et puis descendre au flanc de crête sur la D18 pratiquement au départ de comme si on voulait aller au Cassas d'Irati là-bas à la fin de la route de la D18. Voilà, et on reviendra par là. Voilà. Allez, à plus.